Hello les amis, ça fait un moment qu'on n'a plus fait de vidéo et aujourd'hui on se retrouve à Bruxelles. Alors ici, vous vous demandez sûrement où est-ce qu'on est. En fait, on est dans une crypte. Je vous laisse un peu admirer le long couloir qui nous attend. Et encore, c'est pas tout parce que c'est largement grand. D'ailleurs, on est arrivé à l'avance avec Alan. On a déjà fait un peu le tour pour repérer les lieux, pardon, pour éviter de se perdre, pour tout filmer, l'ensemble de tout ce qu'il y a ici. Alors c'est super grand. Et c'est assez glauque, il y a une drôle d'ambiance. Alan derrière la caméra est là pour vous le dire. Et du coup, on va visiter tout ça et on se retrouve tout de suite. La crypte royale, située dans l'église Notre-Dame de Laeken, est le lieu de sépulture de tous les souverains belges, régnant et leur épouse, ainsi que certains membres de la famille royale belge. La reine Louise-Marie, épouse du roi Léopold Ier, avait exprimé le souhait d'être enterrée à Laeken. Après le décès de la reine en 1850, un concours fut organisé pour la reconstruction d'une église. C'est l'architecte Joseph Pollard qui le remporta. La nouvelle église est un bâtiment néo-gothique avec, derrière le chœur, une chapelle royale et une crypte. Et l'église fut mise en service en 1872, mais elle n'a été achevée qu'en 1907. En 1904, la vieille église communale fut abattue, seul le chœur gothique resta épargné. Il se trouve dans le cimetière à côté de l'église actuelle. Ok, donc on se retrouve, je t'ai coupé la parole, on se retrouve pour explorer la crypte de Laeken. Sachant que en voyant les chiffres au plafond qu'on va vous montrer juste après, on a compté, enfin on n'a pas compté, on a vu qu'il y avait plus ou moins 1800 tombes. Et je dirais même un peu plus parce que, bon là ici, on est déjà, je vais vous montrer ça tout de suite, je ne sais pas si vous voyez bien. À 1470 et celle-ci que je vous montre 1465. Bon, ça fait déjà une paire de tombes, sans compter que bon, l'endroit, je le redis, est assez grand. Et on n'a pas parlé d'un fait, on est en période de coronavirus, donc masque obligé. Masque obligé, faites pas les. Et puis, les vidéos, on est dans un lieu où ce que les cadavres sont en décomposition, donc ça nous aide aussi à respirer. Ouais, vraiment. Bon, jusqu'à maintenant, j'ai rien senti, mais on va éviter de l'enlever. Hein. Et du coup, voilà. Alors, il y a des, on va dire, des tombes, je vais dire ça comme ça, assez stylées. En fait, si vous voulez, vous passez de simples plaques, comme vous voyez ici à côté de la lane. À des plaques complètement immenses. À des plaques complètement immenses. Il y en a une juste là. Ouais, et d'ailleurs, si vous savez nous dire, par exemple, dans les commentaires, c'est quoi, parce qu'on n'a vraiment pas d'idée. Nous, pour nous, c'est, je pense, des personnages importants quand même. Ouais. Juste ici à ma droite que je vais vous montrer, il y a une tombe. Alors, elle est complètement différente de toutes celles qu'on a autour de nous. Je vous la montre, c'est celle-ci. Alors, soit le type, il était, je sais pas... Riche ou je ne sais quoi dans le temps, mais il s'appelait Léon Orban. Voilà. S'il y a de la famille de Léon Orban qui passe par là. Culture de la famille, voilà, petite dédicace à vous. Ça m'étonnerait quand même, vu les dates, mais... Ouais, et du coup, voilà, ensuite, on passe à carrément des tombes. Ça, c'est des tombes de famille, je pense. Ouais. Carrément. Alors, il y a 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10, comment on appelle encore les machins comme ça ? 10 tiroirs pour les cercueils. 10 tiroirs pour les cercueils. Donc là, je pense que c'est quand même une famille complète et on vous la montre. Voilà. Elle est assez belle, donc c'est ça. Hein. Voilà. Elle est assez belle, assez bien entretenue. On a aussi remarqué que dans le cimetière, ici en tout cas dans la crypte, il y avait des plaques qui n'étaient pas là, donc on pense... On suppose qu'on les a volées. On suppose que c'est des plaques volées. Alors je sais pas si vous nous entendez bien avec nos masques, mais bon. Ouais. On va faire avec, on sinon fait je mettrai des sous-titres. Ouais. Du coup voilà, donc quand je parlais de qu'il manquait des plaques, c'est, vous voyez bien ici, hein. On voit que ça d'ailleurs. Donc voilà. Cette crypte est formée par trois galeries souterraines perpendiculaires, suivant les allées du cimetière à la surface. De nombreux caveaux, vides ou pleins, bordent ces galeries. Les dates que l'on peut lire sur les pierres tombales, c'est date de 1885 à 1978 environ. L'endroit s'est avéré être photogénique grâce aux petites fenêtres au plafond diffusant une lumière intense, produisant ainsi une ambiance étrange, glauque et humide. J'ai pu toutefois trouver une petite anecdote sur ce lieu. On raconte qu'au début, les cercueils placés dans ces souterrains étaient faits en bois de piètre qualité. Les cercueils entreposés dans les caveaux sur les murs se désagrégeaient, se liquéfiaient rapidement. On imagine alors la puanteur atroce régnant dans ces lieux. La ville imposa alors l'utilisation de cercueils zingués pour la crypte, celui-ci étant résistant à la corrosion. La crypte ne semble plus être utilisée depuis la fin des années 1980.
mais l'allée du cimetière menant à la petite chapelle nous indique sa direction. La crypte de Laeken est un réseau de galeries souterraines construites sous le cimetière de Laeken à Bruxelles. Lorsque ce cimetière accueille en 1831 les premiers tombeaux de la famille royale de Belgique, le cimetière devient convoité pour les inhumations. Dans les années 1870, après des extensions des terrains en surface, une extension souterraine est creusée en suivant le tracé des allées du cimetière en surface. La partie souterraine du cimetière de Laeken peut être divisée en deux zones. Une zone récente, sous le Columbarium, un monument art déco, et une zone plus ancienne, rendue inaccessible pour risque d'effondrement. Dans cette zone plus ancienne, les dates des décès sont très proches du perçage du réseau souterrain. Les sépultures y sont laissées à l'abandon, à défaut d'accès possible pour les familles pour l'entretien courant. Cette zone est donc la plus intéressante pour y constater l'évolution du temps sur les tombeaux et caveaux dont certains sont de véritables monuments aux morts comme ils étaient d'usage pour les familles aisées au début du XXe siècle. Dans ces allées, beaucoup de familles de militaires haut gradés, de nobles locaux ou de représentants de la société civile sont inhumés. La visite de ce lieu ne laisse pas indifférent. Se retrouver seul dans une galerie où de nombreuses photos de défunts sont présentes sur les stèles et donne l'impression que ces défunts vous observent. Ok les amis, on termine cette vidéo d'un petit urbex avec lequel on a relancé la chaîne. J'espère que celui-ci vous aura plu. Excusez-nous de base pour la qualité parce qu'on filme avec nos GSM, avec les appareils photo qui nous ont été volés, mais ça c'est pour la prochaine vidéo qui est déjà sur la chaîne. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche des notifications et à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous laisse sur cette magnifique vue du cimetière et de son monument, et puis moi je vous laisse là. À ciao.